c'est l'inauguration de la galerie éphémère qui va permettre aux artistes saint-mauriens de trouver un lieu d'exposition. À Saint-Maur, on souhaite vraiment mettre en avant le côté culturel, les artistes, tous ceux qui apportent beaucoup de richesses à la ville. C'est la raison pour laquelle on rénove entièrement la Villa Médicis, qui sera le lieu d'exposition majeur de la ville. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité ouvrir une galerie dite éphémère qui permette aux artistes, au cours d'une semaine, deux semaines, de venir exposer leur œuvre, montrer leur talent et discuter en proximité avec tous ceux qui aiment la culture et l'art. Et maintenant, j'ai le temps de me remettre à une passion que j'ai dans mon cœur, de sculpter et de transformer une pierre, une base, sur, j'allais dire, une œuvre. J'ai l'honneur d'ouvrir la galerie éphémère là pour la première fois. Donc je vais faire découvrir mes mosaïques. Voilà, donc je suis mosaïste depuis 20 ans à Saint-Maur. J'ai un atelier où je donne des cours, où je réalise aussi des œuvres, voilà, qui seront exposées ici pendant 15 jours. C'est un autre lieu en fait, vraiment réservé aux artistes. Je trouve plutôt une belle idée. En fait. Une belle réalisation, je crois, dans une ville que l'on veut autant culturelle que sportive qu'apaisée.